Salut à tous, c'est Nasband qui vous parle. Comment ça va? Moi je vais super bien et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau jeu d'horreur indépendant qui s'appelle Alone in Space. Settings. Settings. High, je suppose. Ouah, ça a l'air high, je sais pas. High. Back, je sais pas. Settings. Putain, comment ça marche? Oui, back. Bon. Ça a l'air de vachement bien marcher. On va baisser le son du jeu sur OBS. Start. Start. Je suppose. Ah oui. Ok. En gros, c'est un jeu où on est seul dans l'espace. Voilà. Non, pas plus d'explications que ça, hein. Seul dans l'espace, seul dans du jeu. Je me suis réveillé à côté d'un tuyau couvert de sang. Je me rappelle avoir travaillé sur le tuyau et tout est devenu noir. Je dois trouver d'autres personnes sur le vaisseau. Très bien, je crois qu'il n'y en a plus. Oui. Ouvrir la porte. Waouh, le bruit que ça fait. Je crois qu'il y a de la lumière là-bas. Est-ce que je suis seul? J'ai appelé pour voir si quelqu'un allait répondre. Personne ne l'a fait. Je vais continuer à chercher, qui sait, peut-être que quelqu'un est juste endormi, comme je l'étais moi-même. J'entends des bruits de pas. Allez. Comment j'ouvre la porte? J'ai pas compris comment j'ouvrais la porte, mais bon, c'est pas grave. Il y a une espèce d'ambiance toute pourrie là. Perso qui se déplace comme s'il était bourré. Moi aussi. Bah oui, ça fait le bruit de la porte qui s'ouvre, mais la porte s'ouvre pas. Ah, d'accord. Ok, ça a l'air d'être un genre de salle de contrôle. Très bien. Oh mon dieu, il y a du sang sur le sol. Il y a trop de sang. Quelqu'un est mort ici. Qui ou quoi a fait ça? Je dois me tirer d'ici. Je dois me barrer de ce vaisseau. Ah oui, effectivement. Bon. Je peux pas courir, hein. Alors ça touche F pour ouvrir les portes. D'accord, je me demandais ce que c'était ce truc vert. Je pense qu'il commence à se faire tard. Je devrais me reposer un peu et je pourrais explorer un peu plus dans la matinée. Peut-être que quelque chose sera différent d'ici là. Cette place a l'air aussi bonne qu'une autre pour me reposer. Ok. Maintenant que j'ai compris que F c'est pour... J'ai fait quoi là? Qu'est-ce qui s'est passé? Je
Je me suis réveillé et quelque chose me semblait bizarre. J'aurais pu jurer que j'ai entendu une porte s'ouvrir et se fermer cette nuit. J'étais sûrement en train de rêver, mais ça va pas me tuer de regarder. Si, ça peut te tuer justement. Puis je vais aller regarder les contrôles parce que il semble qu'il y a quelque chose que j'ai loupé. Non, y a rien de spécial là. Ok. Là, je peux récupérer les notes. Ok, c'est pas juste les lire, je les récupère aussi. Je crois que j'aurais pas dû. Waouh, l'ambiance est vraiment dérangeante. Tiens, un tuyau. Waouh, c'est vraiment se compliquer la tâche pour rien d'avoir fait ça avec le tuyau alors qu'il pouvait descendre directement. Oui. Je suis seul dans l'espace, probablement poursuivi par un truc dégueulasse qui veut ma mort, mais je remarque l'emplacement du tuyau qui est pas normal. Ils sont dans les murs, ils me suivent. Qui est là dehors? Qu'est-ce qui est là dehors? Le vide de l'espace m'appelle, me suppliant de mourir. Et suppliant pour la mort de mes monstres aussi. Pourquoi ça a reset avant? J'ai pas compris. Tout cas, j'aimerais pas me retrouver dans la situation de ce mec. Ah, il y a une lumière rouge là-bas, allons-y. Ça m'a l'air très bien. C'est pas rassurant jusque-là, hein. Ah. Qui est là? Je sais que tu es là dehors. Parle. Je peux t'entendre bouger et respirer et le fait que tu me suives. Où es-tu? C'est moi le monstre? La question. Est-ce que je suis le monstre? Est-ce que je suis le monstre? Je me pose la question. C'est pas moi qui ai écrit ces notes. Attends, je suis revenu en arrière là. On dirait bien. Ok. Qu'est-ce Je suis revenu en arrière, très bien. Mais je t'avoue que là, je suis perdu, hein. Là, il y a les lumières qui sont foutues. Ok. Ah bah il y a la fameuse lumière rouge de nouveau par là-bas, mais... Ah, une note que j'ai loupée. Je veux partir, j'ai besoin de partir. S'il te... Dieu, s'il te plaît, aide-moi. Je dois m'échapper. S'il te plaît, aide-moi. Ok. What? Ok, pourquoi? Pourquoi
Pourquoi j'ai été TP? Ouais, j'ai augmenté le son de mon casque. Je peux pas courir. Ok, ça a l'air d'être une ligne droite. Je vais mourir, hein. Je vais mourir, hein. C'est pas moi du tout le monstre. Baisser le son du jeu parce que je sens le jumpscare arriver. Je veux pas regarder derrière moi. Je vais pas regarder derrière moi. Je le vois bien que c'est un couloir infini. Ah non. Il y a l'air d'y avoir la porte de sortie là-bas. Non mais je sens le jumpscare arriver les gens, hein. Faudrait être con pour pas le voir, hein. Bon, du coup je suis en train d'halluciner ou quelque chose. Je peux pas récupérer la note non plus, alors allons-y. Il n'y a pas d'autre issue, non? Je peux faire ça aussi. Voilà. Et je bloque la porte. Ouais, je t'avouerai que là. Bon. Bah, allons-y. Hein. Et je veux vérifier, il n'y a pas de mécanique de course dans ce jeu. Juste pour être sûr. Q pour les notes. E pour la flashlight. F pour ouvrir les portes. Ok. Oui, j'ai pas envie de fixer mon écran de trop près. Jumpscare. Jumpscare, hein. Ok, non, pas de jumpscare, mais une ambiance bien flippante. J'ai beaucoup aimé ce jeu, très sympa. En plus, pour une fois qu'on a un développeur de jeux d'horreur indépendant qui ne se relie pas uniquement sur les jumpscares pour te faire peur, ça fait plaisir. Enfin bref, voilà. Sur ce les gens, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez laisser un j'aime, commenter, vous abonner, à partager sur vos réseaux sociaux, tels que Facebook, Twitter et la mettre en favori, ça me ferait énormément plaisir. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur notre page, enfin sur notre serveur Discord qui est dans la description de la vidéo. Voilà, sur ce, moi je crois que je vous ai tout dit, donc ciao les gens, c'était Nasband pour vous servir, bye. Justement, encore plus. Et d'ailleurs, j'aurais bien peut-être aimé un tout petit peu plus d'histoire par rapport à ce mec-là. Je suis bizarre, mais je sais rien. Voilà, c'est ça. Juste qu'il est là qui se promène.